Ancien Premier ministre haïtien Claude Joseph réagit, eh bien, mesdames et messieurs, sous question intervention militaire étranger qui t'a supposé rentrer dans le pays d'Haïti. Eh bien, manifestants yo mettaient du fait jeudi lundi à dans le tribunal première instance dans Gonaïve, était connecté et Vertilus Lamadier, eh bien, qui s'est casé Boukankare dans le département centre, et bientôt sa jeune arrestation n'a causé voler bête paysan yo. Vous êtes connecté, n'a venu avec plus de détails pour vous en dedans tranche émission ça. Pas oublier que vous sous moment Pemba, il y a un seul bagage gain pour faire là, c'est garder en bas vidéo à un petit bouton qui marque s'abonner si téléphone en français et puis subscribe si en anglais, pas oublier activer petite cloche notification, c'est seule façon ou capable rester connecté avec nous sous channel Maman Pemba Messac News mesdames et messieurs. N'a retourner après, yon ti pause pour nous capables de continuer à informer. Bonjour, bonsoir la famille. Tout dépendamment de qui l'est qui côté, n'a regardé et recevoir tranche émission ça. En nous rentrer nan causea. Ancien premier ministre Dr Claude Joseph déclaré c'est président dominicain Luis Abinadel qui mandé international là pour y voyer aide militaire pour Haïti. C'est pas Ariel Henry pour l'idée parti politique IDEA. Ariel Henry pa gen provision légale pour engager avenir pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, eh bien c'est tout secteur dans société qui doit formuler une demande d'un bon côté international là pour mander aider Haïti former pressé une unité spécialisée dans la police nationale pays a contre gang yo. C'est ça nous li dans une interview et eh bien docteur Claude Joseph a accordé un journaliste dans capitale là. Eh bien mesdames et messieurs, gagnent manifestants yo n'était diffé jeudi à dans tribunal première instance dans Gonaïve n'a rappelé Ferdinand Wilfort alias Tiwil. Yon élément clé dans bataille pour te voyer ancien président Aristide aller dans l'année 2004 te annoncé à partir jeudi a mouvement tabral prend yon l'autre gens yon l'autre tourner contre docteur Ariel Henry. Eh bien comme dit eh bien c'est fait eh bien jeudi a là Gonaïve te levé du fait eh bien manifestant yon là te même rivé mettez du fait dans tribunal première instance nan cité indépendance nan nan Gonaïve mesdames et messieurs. Bagay yo c'est tête chargée Gonaïve levé di fè docteur Ariel Henry pour qu'on vle prendre une décision. Vertilus Lamadier qui se kazèk nan Boukankare département centre jwenn arrestation vendredi 7 octobre 2021 pour complicité nan volè bèt paysan yo après audition an, juge de paix Villa qui c'est au snack des graves transféré Vertilis mi balai li tout by lord pour arrêter secrétaire Kazekla qui c'est Louis Ter. En tout cas mesdames et messieurs et yo le chef yo utilisé pouvoir yo pour voler bagay petit paysan. En tout cas, mesdames et messieurs, moi parle, invitez-nous entendez une grande interview Claude Joseph t'a accordé et journaliste Wendy Fell, ils sont nous donc n'a pas écouté mais avant bam faire petit point mise à jour ça mesdames et messieurs, Ariel Henry qu'a démissionné avant ou pendant intervention hein, si on y approuvé décision sous Gazda qu'a éliminé des monde qui compte aide la Jodia cap dans gouvernement bientôt. Avant année a fini, gen bandi ki pap existe encore, gen an pile l'autre bagay konnen ki pou al fèt beaucoup ap di. Donc, rete branché mesdames et messieurs, ça c'est déclaration yon journaliste qui c'est Wendy Fell, tout le monde connaît son nom, Unisson nous qui gagne yon média en ligne qui pote non uni Unisson nous mesdames et messieurs. En tout cas, avant de faire nous entendre grand interview ça, Claude Joseph t'a accordé unisson nous concernant intervention et blanc américain ou du moins blanc canadien tout bail parce que c'est deux forces ça qui gagne pour premier venir dans pays c'est Canada avec États-Unis qui déjà prend pied devant pour voyer et aide militaire ça dans pays d'Haïti.
Donc, pas oublier que sous maman Pemba, pas oublier abonner, liker, partager, quitter un commentaire dans l'espace qui est réservé à commentaire, mesdames et messieurs. Décision que gouvernement haïtien prend côté Yo Mandela pour que communauté internationale là, notamment Nations Unies, vienne aider Haïti qu'a passé un moment qui un petit peu compliqué. Donc pile réaction sur les réseaux sociaux, en pile monde réagit, gain qui pour, gain qui compte en tout cas. Mais la réalité c'est que nous n'un problème. Nous n'un problème. Depuis un certain temps, pile monde a posé la question, mais comment n'a pas capable de sortir là? Il y a monde qui dit il faut tout simplement bailler la police à l'ordre. Bon, là ça est discutable. Parce que ça, son parole bien faite, construite, que n'a dit depuis presque, ou bien plus, passé 5 années. Bah, la réalité, c'est que plusieurs directeurs police passés dans cette institution, rien sérieux pas fait. Bon, bref, parmi tout le monde qui a réagi, il y a un monde qui peut réagir. Nous pouvons attendre, en tout cas. Nous visiter, contre Twitter, nous pas rien. C'est ancien. Premier ministre, ancien ministre affaires étrangères, Claude Joseph. Bon, moi-même, dans logique pour me chercher information pour nous, me chercher Claude Joseph, me dit Claude, ça va passer comme ça. Et pas, il y a actualité dans le pays, ya, et puis, ou bekeke, ou pas dire rien. En tout cas, on est qui a fait politique, c'est dans le moment ça, le peuple a supposé tant d'eau. Me chercher Claude, ancien premier ministre là, et heureusement, il répond moins positivement. Et là, li ensemble avec moi, nous pral parler, nous pral discuter sur ce qui a passé dans le pays là. Nous live, hein, c'est pas une émission qui préenregistrée. Donc, on va prendre nos services sur un mec Claude Joseph, sur apprécier le travail que moi m'a fait là, partager vidéo ça sur tout groupe WhatsApp partout, mais vraiment partout, pour que l'autre soit capable. Des interventions Claude là. Et s'il le faut, ou qu'a poser question tout, soit on veut poser son question, on met poser là et puis moi-même m'a posé le lipo. Claude Joseph, ça avec un peu plaisir m'a recevoir matin. Comment est-ce? Bonjour Wendy, merci parce que vous recevoir matin. Merci parce que vous checkez sur moi pour qu'on ait qui ça me passer et moi pas vraiment et négocier en fait pas sans condition pour moi parler avec vous parce que vous me connaissez niveau professionnalisme moi ouais et différentes positions qu'on prend et sous et réseaux sociaux donc qui fait que vous c'est un monde qui pas mal dans ta personne donc moi je sens me confortable les moi à parler avec des journalistes en cours et bon effectivement et j'en dis bon, on quitte vous poser l'autre question parce que m'va veut aller mettre pour m'va premier quoi dans mais. Bon, OK, très bien. Merci pour petit mot ça ou dia parce que mon yo apprécier li parce que moi même travail que m'a fait à vrai son travail sans fausse côté, nous très objectif. Alors, moi me fais choisir font travail payer et c'est ça que fait. Moi agir comme ça. Pendant on dit ça et faut que moi zou grand pile moun à un moment qui dit ah Wendy a travaillé pour Claude Joseph etc. et à chaque fois me toujours dit oh, c'est faux hein mais gars qui toujours pas quoi. Mais la réalité c'est que moi avec vous nous pas parler souvent dans téléphone. Ça fait environ 4e fois il n'a pas parlé. 4e ou 5e fois. En tout cas, c'était juste en parenthèse. Claude Joseph gon réalité là où l'ilette premier ministre l'envoyé by Nations Unies hein? Oui bien sûr moi l'ilette là mais ça qui pas vraiment étonné de action ou bien comportement et premier ministre Ariel Henry. Et, mais pour des simples observateurs qui suivent les réalités politiques là, il y a après que pendant un an, le gouvernement ça a gagné une position qui était constante, à savoir qu'il n'y a pas besoin d'intervention
militaire dans le pays. Au point que même demande moi été fait devant l'ONU pour gagner une commission spéciale pour venir aider dans l'enquête là, le tribunal spécial, une commission spéciale pour venir aider dans l'enquête là, Premier ministre Ariel Henry était campé face à lui. C'est-à-dire que Ariel s'est projeté comme un monde qui anti-intervention militaire. C'est premier bagaille. Maintenant qu'on y a, faut que monde pose cette question pour que ça, d'un coup, gouvernement prend une résolution, mandate Ariel pour faire une demande d'intervention militaire. Un jour après, Ariel fait une intervention militaire auprès des autorités ou bien des instances, nous sommes capables de dire compétentes pour ça au niveau international. Pour qui ça? Parce que si mon absurde bien, c'est pas Ariel Henry lui-même qui initie démarche ça pour demander intervention militaire là. C'est le président Luis Abinadel de la République dominicaine qui en met reprise devant les instances internationales, mander une intervention militaire en Haïti. Plusieurs fois. C'est pas déjà Ariel Henry. Ariel Henry seulement soumet-li au dictat, n'est-ce pas, du président dominicain pour mander une intervention militaire. Maintenant, qu'on y a, pour qui ça que Luis Abinadel mandait une intervention militaire en Haïti? Dis-moi, dernier événement qui passait dans Côte d'Ivoire, montrer que gagner une volonté manifeste pour protéger les intérêts dominicains et les intérêts commerciaux des dominicains et en Haïti. C'est-à-dire que on connaît non commerce Haïti République dominicaine et mais c'est en faveur d'un avantage République dominicaine lié. Donc c'est-à-dire que je dis à demande d'intervention, hein, li pas fait pour le citoyen moyen, le citoyen lambda, c'est une demande qui, je nous dis, qui était initiée par le président Luis Abinadel à plusieurs reprises devant la communauté internationale là, mais comme dernier événement ça y est là, montrer que Ariel est décrit, il est prêt pour perdre du pouvoir, li entre dans une démarche qui à la fois individuelle, on démarche qui opportuniste et on démarche qui égoïste. Donc c'est ça demande là. En d'autres termes, demande ça n'est pas inscrit dans la logique humaniste et humanitaire qui visait pour protéger citoyen lambda ou bien citoyen moyen contre gang ou bien contre propagation choléra en Haïti. C'est une demande qui égoïste, qui individuelle et opportuniste, qui visait à renforcer et consolider pouvoir Ariel Henry, qui décriait, qui incompétent dans la gestion de la chose publique. Donc nous-mêmes, nous comptons toute intervention qui visait à consolider pouvoir de Youmoun, Ariel Henry, qui est rejeté par la population haïtienne. Nous comptons toute intervention qui visait à renforcer un système socio-économique injuste et injustifiable, générateur d'inégalités et d'extrême pauvreté. Donc, Claude Joseph, Jodia là, pour bien comprendre Jodia, ou compte décision ça que Ariel Henry prend avec gouvernement pour que vous sollicitez en aide étrangère. Moi compte décision ça pour plusieurs raisons, je n'en dis là. Première raison, c'est parce que c'est pas vraiment Ariel Henry qui sollicitait intervention, hein. C'est sous dictat du président Luis Abinadel. C'est Luis Abinadel, tout le monde qui a suivi l'actualité et n'a pas position mieux très cohérent dans le temps. C'est Luis Abinadel qui fait être passé comme porte-parole Haïti sur la scène internationale et qui a demandé intervention militaire. Tout côté de le passé devant l'OEA, devant l'ONU, dans le Congrès et dans la rencontre avec le vice-président et américain. Donc, à plusieurs reprises, Abinadel a demandé une intervention militaire. En d'autres termes,
gagne tout un lobby qui fait Washington que le président Luis Abinader, autorité dominicaine fait, le gouvernement dominicain, tout un lobby qui fait Washington, tout un plaidoyer en d'autres termes qui fait Washington pour l'intervention militaire en Haïti. Alors ce que le citoyen n'est pas capable de suivre l'actualité à le citoyen moyen de questionner, c'est pour qui ça? Est-ce que c'est parce que, pour qui ça d'abord, que Luis Abinader a fait tout un plaidoyer pour une intervention militaire en Haïti? Est-ce que c'est parce que Luis Abinader lui-même est généreux? C'est au monde qui voulait que pays a sorti dans situation effectivement sorti ça gain problème. Est-ce que c'est parce que le pays a sorti dans situation ça que li là, ou bien est-ce que gain de l'autre bagaille qu'a réglé comme sous doula là, protection de investissement et commerce haïtien dominicain qui en défaveur d'Haïti dans gens li pour aller jodi à là. Donc c'est mais ancien premier ministre Joseph Tonton moi. Gen moun ki ta kapab di ben encore une fois Claude Joseph li mette réalité a li passe réalité a côté là il tombé sous Luis Abinader encore ennemi juré li et ça vient faire que comme si yo ka prend position là comme en position m'pap di yo pral traiter de bluff non et pas samedi mais yo kapab di. Mais pour qui ça, par exemple, il y a quelques jours, il y a OEA qui réunit, il y a plus de 19 pays qui dit, aujourd'hui, il nécessaire pour que y ait une intervention qui fait pour que y aide Haïti. Il y a les États-Unis d'Amérique également, Américains, il y a parlé de bagaille ça depuis quelques temps. Et aujourd'hui, là, Claude Joseph, qui a réagi sous question, au lieu de parler de Mounzao, là, il est tombé sous Luis Abinader. Il y a des gens qui ont dit, si c'est pour Luis Abinader, ben, décision, ça n'a pas d'abri, j'en prends. Qu'ils ont à répondre avec nous? Non. C'est pour ceux qui ne comprennent pas les relations internationales, c'est-à-dire que la démarche est un peu simple. Mais ce n'est pas une démarche simple, c'est une lecture objective de une réalité géopolitique. C'est ça que moi, je m'offre là, parce que moi-même, je m'absuive. Devant l'OEA, d'ailleurs, devant l'OEA, c'est pas que le gouvernement haïtien qui initie on demande comme ça d'abord. C'est le président Luis Abinader. Faut qu'on y songe. C'est le président Luis Abinader. Devant l'OEA, c'est pas le premier ministre. D'ailleurs, devant l'ONU, le ministre des Affaires étrangères dit qu'il refuser toute intervention militaire en Haïti. D'accord? Donc, c'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui. Il y a plusieurs fois devant l'ONU, le ministre des Affaires étrangères haïtien l'y prononcé contre l'intervention militaire en Haïti. Pour qui ça, je dis, il y a gagné un marché pressé. C'est-à-dire que des gens qui pensaient que c'est une intervention sollicitée, c'est-à-dire que c'est Haïti qui sollicitait, moi-même, je dis non, c'est faux. L'intervention, les résultats de un ensemble de plaidoyers que, effectivement, Luis Abinader fait, pour nous arriver là, devant le Congrès, devant l'OEA, devant l'ONU, c'est ça, et président Luis Abinader fait plusieurs fois, qui permettent que je dis à gouvernement ça, lui seulement soumettre. D'ailleurs, Ariel Henry, pas gagné, pas un interlocuteur valable devant l'international. Il n'est pas considéré comme un rien. Donc, c'est-à-dire que il ne peut pas, et je parle de d'Ariel Henry, prendre sous responsabilité lui-même pour lui faire une demande d'intervention. C'est-à-dire qu'il n'est pas un interlocuteur valable. C'est-à-dire qu'il n'est pas un interlocuteur, il connaît ça. Donc, c'est mandé pour le faire ça, et que lui fait ça. Mais qui est-ce qui mandé pour le faire ça? Et je vous dis clairement, que et tout le monde cap suivre réalité de façon pointue, réalité internationale là, et sous Haïti en particulier de façon pointue, et après que la demande n'émane
pas du gouvernement haïtien. Elle a été initiée par le président Luis Abinader devant les instances internationales. Et effectivement, les Dominicains, tout le monde qui, parce que moi-même j'étais ministre des Affaires étrangères, moi connais que ils ont dépensé en pile dans le lobby Washington. Donc, ils arrivent là. Maintenant, qu'on y a, moi, dit que, Jodia, avec Ariel Henry, d'autant que c'est quelqu'un qui est décrié illégitime et impopulaire, ou pas capable d'engager pays dans aucun projet qui est capable d'avoir des impacts à long, à court, moyen, long terme sur la vie des Haïtiens et des Haïtiennes avec Ariel Henry. Ou pas capable de faire ça. Donc, c'est parce que tout simplement, intervention militaire, qui c'est États-Unis qui a fait, qui c'est Canada qui a fait, si c'est bilatéral ou bien c'est une force multinationale et qui est sortie de l'ONU. Donc, c'est seulement une force cabinet pour renforcer le premier ministre Ariel Henry lui-même, mais pas le peuple haïtien, dans son combat contre Joseph, les gangs, contre la sécurité, okay. Contre le choléra. Moi, me tendais en pile politicien dit parole ça et Ariel Henry voulait renforcer le pouvoir, il voulait rester sous pouvoir le plus longtemps possible. Mais bon, réalité à Théala, bon constat, c'est que pays a bloqué, haïtien pas qu'à circuler, timoun pas qu'à l'école, jodi a là l'hôpital a fermé, moun a mouri. Femme enceinte à mourir parce que au pas carrément soin, parce que tout simplement conseil de groupe terroriste qui prend on série de zones en otage. Et ça, c'est pas un bagaille qui vient exister uniquement sous Ariel Henry. C'est un bagaille que le vient joindre ou tes premiers ministres dans période pour la bagaille là, en tout cas situation elle pas presque différent. Donc cette gain politique là, mais qu'on réalité à terre là, qui ça ne fait avec réalité là? Si ou même ou t'es premier ministre Claude Joseph, est-ce que ou pas t'as arrivé non moment pour te prendre pour t'apprendre même décision, sachant que après la mort du président, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, ou même en tant que premier ministre, ou t'es prend une décision similaire? Non, alors on m'explique. Alors d'abord Wendy, moi, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de vous offrir une lecture objective et différente de tout ça et de politiciens à bail jeudi. Parce que y'a pas gain courage, effectivement, pour y'a toucher pléa du doigt. Y'a pas gain tout, pas gain pile politicien qui cadre aujourd'hui que demande d'intervention militaire en Haïti, c'est Luis Abinader qui initie. Moi-même, je reste cohérent dans ma position et d'homme d'État pour identifier le problème. C'est-à-dire que c'est pas en surface parce que m'a regardé en conseil des ministres avec des ministres qui sont généralement des jobbers, il m'a permis de dire ça, et un premier ministre qui n'est pas un interlocuteur valable devant l'international. D'ailleurs, Michel Souka a l'historien Michel Souka a fait une description assez intéressante et plus ou moins objective de la posture, n'est-ce pas, du comportement, n'est-ce pas, du premier ministre. Donc, on n'a pas besoin d'aller sous ça parce que mon premier ministre, on n'a pas gagné langage ça par rapport à notre premier ministre. Mais c'est vrai qu'il n'est pas un vrai interlocuteur. Donc, c'est-à-dire que c'est pas lui qui a initié la demande. Donc, il c'est soumettre que monsieur soumette lui à demande que le président Luis Abinader fait. Et président Luis Abinader. Mais, premier ministre Claude Joseph, tout à l'heure, que Luis Abinader, c'est pas Kounia l'a fait lobby ça dans l'international là. Luis Abinader, il y a des années, l'a fait lobby. Non. Écoutez, quand moi j'étais ministre des Affaires étrangères, j'étais moi-même seulement porte-parole PIA sur la scène internationale. Je ne permettais pas à Luis Abinader ou à son ministre des Affaires étrangères de prendre la parole pour Haïti et au nom d'Haïti. Mais ça n'a pas empêché que le TFL, de temps en temps. Et quand... Non. C'était jamais ainsi. Ils étaient... Ce n'était pas ainsi, mais le TFL. Non. Moi, je dis que moi-même, pendant environ 2 ans que je passais comme ministre des Affaires étrangères,
Haïti pas de l'autre porte-parole sur scène internationale. D'accord? Donc, effectivement, là où on commencer à faire ça, moi, dénoncer, yo, c'est là ça, je ne pas et ministre des Affaires étrangères encore. Parce que moi-même, je ne permettais pas à Luis Abinadel de se comporter en président, comme si comme président Lilla. Je ne permettais pas à Roberto Alvarez de se comporter en porte-parole d'Haïti sur la scène internationale. Mm-hmm. Parce que moi-même, j'étais assez compétent pour prendre la parole au nom d'Haïti et pour Haïti. Donc, je ne permettais pas à personne d'autre de le faire. Donc, ça veut dire que ça, c'était la position d'un ministre qui était un interlocuteur valable, parce que Jovenel Moïse savait choisir ses ministres des Affaires étrangères. Donc, ça, c'est important pour moi, et mettez clarification ça. Donc, lecture que je vous offre sur cette réalité est une lecture fine, objective. Pour moun qui fait relations internationales, yo abstitue non courant de pensée pour demander tout simplement est-ce que Abinadel c'est généreux comme ça pour la demander intervention militaire en Haïti. Donc moi-même je suis contre l'intervention militaire pour plusieurs raisons, parce que un, c'est Luis Abinadel qui l'avait initié. Deux, c'est parce que le premier ministre Ariel Henry veut rester le plus longtemps au pouvoir, veut consolider son pouvoir alors qu'il est extrêmement décrié. Mais pour qui ça, moi-même, moi, dit que contre une intervention militaire. Cependant, moi, l'MT Premier ministre, après l'assassinat de Jovenel Moïse, j'avais demandé trois choses. La première, une aide militaire pour renforcer les efforts de la police nationale d'Haïti visant à combattre l'insécurité. Il y a moun qui a fait amalgame sous sa demande. Il y a une aide militaire pour renforcer les efforts de la police nationale d'Haïti visant à rétablir la sécurité sur le territoire national. La première chose. La deuxième chose, une aide des États-Unis pour assister nous dans l'investigation sur l'assassinat de Jovenel Moïse. La troisième chose, une assistance technique de l'ONU, une commission spéciale, même j'ai été fait en 2005 et dans le Caliban, les premiers ministres ont été assassinés, un tribunal spécial pour nous capables de jouer un vrai coupable, le monde qui a assassiné le président Jovenel Moïse. J'ai toujours été cohérent dans mes prises de position. Moi, pas jamais changé, et c'est pour ça qui fait que je dis, le conseil de monde a écrit pour demander pour Claude fait intervention. Moi, pas comme homme d'État, je ne peux pas agir selon les caprices des internautes. Et malgré que en pile respect pour des internautes, mais je ne peux pas agir selon leurs caprices, n'est-ce pas? D'ailleurs, je suis désormais un homme de parti. Donc, je dois savoir la position de mon parti avant d'agir. Ça veut dire que je ne peux pas piquer devant, même l'MT, par exemple, un simple citoyen ou bien un simple ancien premier ministre. Je suis un homme de parti maintenant, parce que je fais partie d'une organisation politique qui l'est aidée. Très bien. Je dois savoir. En tout cas, bravo. Le fait qu'on comprenne ça, c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal. Et moi, je me bats bravo pour ça parce que je me toujours dit, un politicien supposé gain courage. Il est supposé courageux. C'est pas moun kap suivre, il est supposé dicter ça que qui position il est supposé prendre. Mais lui-même, il est supposé analyser chaque situation et puis prend position en fonction de ça que le comprendre qui est capable bon pour payer. Très bien, ça, d'accord avec vous. Mais non, moi, je suis d'accord avec vous. Là... Alors, merci parce que vous dites ça, parce qu'effectivement, il y a un ensemble de politiciens haïtiens qui agissent selon caprice de simples individus. Et parfois, quelque chose soit dit, l'IPAP, j'aime faire plaisir à l'individu. Ça. Donc, pas qu'il agit. Agit parce que l'action, il va l'inscrire dans la durée. Dans 20 ans, il y a des gens qui peuvent aller à l'action. Parce que il y a des historiens, des gens qui sont vraiment intéressés avec le savoir historique. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas vraiment agir selon les passions et les caprices de certains individus qui eux-mêmes, parfois, sont très incohérents, n'est-ce pas? Donc, qui voulaient faire une leçon. Donc, moi-même, moi, je pensais que c'était important pour moi de tendre. Parce que ce n'est pas seulement ce dossier, ça, il y a beaucoup d'autres dossiers. En principe, nous devons intervenir sur eux, mais désormais, nous devons tenir
la position, n'est-ce pas, de mon parti, et puis pour moi, et avancer. Très bien. M'a retourné sous ce qu'on dit tout à l'heure. Ou dit, ou expliqué dans quel cadre ou t'es demandé intervention pour t'es demandé. Ou dit que ou t'es demandé on aide pour nous être capable de restaurer sécurité dans le pays, etc. Mais le n'a pas gardé lettre Ariel Henry, c'est pas trop différent non, de ce qu'on t'es demandé. C'est pas trop différent dans la mesure où m'a gardé lettre là. Ariel Henry dit, bon, moun yo ka li ensemble avec moi là sous écran. Ariel Henry dit, l'appui que nous sollicitons devrait nous aider à reprendre le contrôle de la situation, à restaurer l'autorité de l'État, à faire respecter la règle de droit et à envisager dans un proche avenir un retour à un fonctionnement normal des institutions démocratiques. Bien d'autres actions devront être entreprises sur les plans sociaux et économiques en vue d'atteindre ces objectifs de façon durable. Un soutien en vue d'arriver à un consensus national nous permettant de réaliser des élections inclusives, honnêtes et démocratiques entre toutes les forces vives de la nation est aussi nécessaire. Alors, m'lis pas passage ça pour vous. C'est juste pour me dire, l'homme tendait par exemple en pile, nan nous qui a réagi sur ça, qui a fait politique, qui dit Ariel Henry mandon aide, c'est juste pour le capable de rester sous pouvoir le plus longtemps possible. Mon petit Jean troublé parce que en pile nan nous également a dit que élection pas qu'a fait jodi a même conseil électoral pas qu'a formé parce que à chaque fois ou même on pense on rencontre la difficulté ça tout parce qu'on était dans gouvernement Jovenel Moïse chaque fois Jovenel Moïse était voulait former un conseil électoral une série de groupes dans société civile là qui dit conditions sécuritaires pas réunies pour élection faite et donc nous pas dans question conseil électoral tout autant question sécurité ça li pas résoudre mais c'est même bagarre avec Ariel Henry là tout le monde dit élection pas possible conditions sécuritaires pas remplies tout autant pas un minimum qui fait ou bien pas au maximum qui fait dans question pour résoudre question sécurité ça pas jamais élection dans pays là donc nous wè ça li vinn tourner un outil de chantage pour nèg qui veut vinn prendre pouvoir de manière inconstitutionnelle sans que pas consulter peuple là mais tout li constituer un outil de chantage pour un nèg qui sous pouvoir tout pour capable rester sous pouvoir plus longtemps gen moun qui capable dit une intervention étrangère li tape permettre nous joindre une condition sécuritaire minimale ça pour que le plus rapidement nous passer nous organiser élection pour peuple a choisi des moun que le Levin dirigeel donc des moun qui a dit pas ouais non dans qui sens que Ariel Henry mandon est étranger là pour capable rester sous pouvoir pendant plus longtemps possible si moun t'a dit ça comme si on t'a dit ça comme analyse qui soit Abdil. Bon, d'abord m'a invité moun nan pour gagner le sens n'est-ce pas du contexte, parce qu'il y a un contexte. C'est pas une demande qui sortit en l'air tombé là. Pendant un an, gouvernement ça qui dirigé par Ariel Henry, devant toute instance internationale, il a refusé catégoriquement aide ou bien intervention militaire. Il a refusé catégoriquement l'intervention militaire dans le pays. La différence qui gagnait pendant un an, et dire que pendant un an, il dit non. Gagnait pendant une période de temps, environ un an également, que bon plaidoyer que depuis l'Empala, bon plaidoyer que Louis Abinader a fait pour une intervention militaire dans le pays. Et avec un pile lobby Washington, et qui arrivait à convaincre la communauté internationale sous intervention militaire. Ajouter effectivement de nouveaux défis que nous avons fait face là. Ariel Henry décrié, dans tout pays, la population a demandé pour l'aller, il n'est pas capable de délivrer parce que ça est fondamental. Gagner plus que 6 millions de monde qui ont insécurité alimentaire, Goudla l'a décolleté, Goudla a descendu déprécié considérablement, Mounio la vie a chère, inflation a crimpé dans 30 à 31%. Donc, bon situation qui est extrêmement difficile pour citoyens, pour haïtiens. Et ça fait que Mounio a demandé pour Ariel Henry démissionner. Mais à côté de ça, gouvernement,
li jwenn un prétexte pou li di ke moun sa yo ki nan la rue a se des politiciens ki ap manipule yo ou bien ap paye gang pou yo kapab kan la rue malgré tout moun sa yo ki nan la rue a et puis il cherche un prétexte sous ça ajouter de j'aime dou la les soumettre à dictat et Louis Abinadel pour une intervention militaire, lui mandé une intervention militaire à la dernière minute. C'est-à-dire que c'est pas le premier ministre Ariel Henry lui-même qui a sollicité le déploiement des forces étrangères et dans le pays. J'aime dou la, c'est sous dictat Louis Abinadel. Maintenant, qu'on y a différence qui est entre moi-même avec le premier ministre Ariel Henry. Quand j'étais premier ministre, j'étais effectivement premier ministre. Je savais regarder les blancs dans les yeux pour leur dire écoutez, mais qui ça me pense besoin, mais qui ça me pas besoin. Quand j'avais sollicité l'aide, c'est moi qui ai initié la demande. C'est pas un monde qui m'a demandé pour m'aider. Voilà la différence. J'ai sollicité personnellement, en fait, le gouvernement, que me dit Dirizia, a sollicité l'aide, mais l'éclair dans l'aide là. C'est une aide qui venait dans support, comme support, aux efforts de la police nationale d'Haïti, qui vise à rétablir la sécurité sur le territoire, sur tout le territoire national là. Donc c'est moi qui ai initié ça. C'est pas sous pression de Louis Abinadel. J'assume que j'avais sollicité une aide des étrangers pour renforcer les efforts de la police. Pas un déploiement. Il y a une différence énorme. C'est-à-dire que dans la lettre que vous joignez pour Ariel Henry avec la mienne, il y a une différence énorme. J'ai pas sollicité le déploiement des forces militaires. J'ai circonscrit, n'est-ce pas? J'ai circonscrit aide nous gagnons dans le temps et l'espace. C'est-à-dire, renforcer, by entraînement, etc. Rêter au côté, ensuite aller. Même gens avec Mathieu, les Mathieu finissent passer dans le pays, où il y a des troupes militaires qui rentrent pour nous supporter, pour aider nous. Mais ils viennent pour un cas spécial et puis ils aller. Voilà la situation. Maintenant, il y a un pile amalgame politique qu'a fait, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire lui-même l'a écrit parce que les archives sont là. D'accord? Maintenant, moi-même, moi pas on est comme si on n'était capable de dire qui vraiment quelqu'un, un homme d'État comme si contre l'intervention, etc., depuis c'est pas moi-même, c'est l'autre. Non. C'est parce que tout le monde doit comprendre, qu'à faire politique doit comprendre en jeu. C'est pas le premier ministre qui a initié les demandes d'intervention militaire en Haïti, c'est Louis Abinadel. Pour ses raisons personnelles, pour ses intérêts de clan, pour ses intérêts personnels, c'est Louis Abinadel. Mais le premier ministre. Donc d'après vous-même, décision Ariel Henry, il n'est pas visé. Décision Ariel Henry n'est pas visée et des populations, quoi que ce soit. Non, parce que la décision, elle est individuelle, elle est égoïste et elle est opportuniste. N'est-ce pas? C'est pour ça, moi, je dis que c'est pas lui-même, c'est pas pour le peuple haïtien. Alors, je dis, il y a une incapacité avérée PNH là, la nécessité effectivement de support réel. Parce que faut que nous évacuions l'activité pour aller dans le sud, dans le nord du pays. C'est effectivement pas possible. Je dis à citoyen moyen, le citoyen lambda, attend un secours. Peut-être pas même Jean à 94, Jean et le président Aristide Temandel, peut-être pas même Jean à 1915, Jean circonstance santé favorisé, etc. Mais effectivement, le peuple haïtien attend en support de ses amis de la communauté internationale. Mais le premier ministre Ariel Henry, décrit et illégitime et impopulaire, ne peut pas, et je nous dis, fait aider dans la situation ça, parce que c'est seulement toute intervention, je dis, visée à conforter monsieur,
rendre plus confortable alors et consolider pouvoir et rester là et sans pas organiser l'élection. Alors ce qu'il devait organiser les élections, si on gouvernait pas aucune mission et qui donc failli, donc qui devait tirer conséquences de action, je dis. C'est ça la population a demandé. Et la solution la plus proche de la Constitution, c'est quoi? C'est d'avoir le Conseil des ministres, désigner un ministre, Namitanyo, pour engager un dialogue avec l'autre secteur, pour capable d'avoir un gouvernement qui prend un petit coup de temps pour organiser les élections. Mais sauf que Claude, sauf que ancien ministre Claude Joseph, en réalité là, et ou même où t'es rencontré, où t'es confronté justement à réalité ça, qu'on groupe moun qui en face là, quelle que soit initiative que ou t'as capable prendre, il y a toujours camp en face et il y a venu avec des arguments pour capable justifier en tant que conseiller de position que t'as gagné. Par exemple, nous songeons question conseil électoral. Il y en a raison que fait aujourd'hui à pas qu'on conseil électoral par exemple. Et c'est parce que il dit conditions sécurité pas réunies. Vous songez l'initiative que Ariel Henry prend. Moi-même, pas non logique de défendre Ariel. Moi-même, je m'en fous de Ariel. Ariel Henry met partie de mes si je veux. Mais conseil de réalité que nous supposons, en tant que monde qui a fait politique, conseil de bagaille qui a été là, n'a vivio, nous pas supposé ignorer autour, le n'a pas conseil de position. Parce que demain, si je veux, probablement, c'est nous qui rencontrer comme difficulté. Ok. Moi-même, oui, non, parce que ce que tu peux remarquer, et mon cher ami Wendy Fell, moi, pas dans une position d'extrémiste, d'extrême, n'est-ce pas? Et moi, et tout simplement offrir une lecture de cette réalité politique que pas gagne un pile monde qui gagne courage pour yo faire. Pas gagne un pile monde qui gagne courage pour yo dire que c'est Abinadel qui demandait, alors que tout le monde connaît ça. Pendant que l'international, d'ailleurs, quand j'avais formulé ma demande et d'aide, n'est-ce pas, la communauté internationale n'a pas réagi sur lui. C'est-à-dire que la communauté internationale n'est pas sensible à, on est capable de dire, soit on demande pour renforcer et vraiment police pour la sécurité, insécurité, ou bien il n'est pas sensible avec une question d'intervention militaire, d'autant que l'administration Biden lui expliquait que eux-mêmes, ce n'est pas priorité aujourd'hui. Donc, ces deux coups qu'on a remarqués, après les lobbies, n'est-ce pas, lobbying répété de la République dominicaine, que nous venons dans une dynamique d'intervention militaire. Je vous dis clairement que ce n'est pas le premier ministre Ariel Henry, qui n'est même pas un bon, vrai interlocuteur pour l'international, qui a sollicité de l'aide de l'intervention militaire. Ce n'est pas lui, c'est le président Abinadel. Et voilà pourquoi les Haïtiens, ils ne sont pas d'accord avec l'intervention militaire. Il y a une raison, il y a plusieurs autres raisons. Il y a des gens catégoriquement pas d'accord avec l'intervention militaire. Mais l'une des raisons, c'est que cette intervention militaire a été sollicitée par Luis Abinadel. Ok, bon, ensuite, là, Abinadel casse. C'est extrêmement important. Ok, même si Abinadel t'a sollicité et demande ça, t'as fait demande là, et mais nous connaissons, c'est pas lui qui va le décider, il y a un conseil de sécurité des Nations Unies qui va le décider, et il y a surtout les États-Unis d'Amérique qui sont acteurs extrêmement importants dans ce qu'on a vu là. Outre cette fixation sur Abinadel, est-ce que nous pas supposé et fixer genoux tout sous décision que Américains prennent sous dossier Haïti, mais tout gain pour le prendre sous dossier Haïti. Est-ce que, par exemple, nous pas supposé parler avec Américains tout? Parce que Abinadel, l'ICA, en tout cas, est poussé Ariel Henry fait demande là, mais c'est les États-Unis d'Amérique au final qui prennent le décider. Qui met ça à voir tout les Américains là? Très bien. Alors, je ne vais pas dire les États-Unis directement parce que je ne sais pas si est-ce que la démarche, et c'est pas une démarche bilatérale, c'est-à-dire que c'est des troupes américaines qui peuvent venir en un pays seulement et uniquement, est-ce que c'est Canada, États-Unis, ou bien est-ce que c'est la passée dans une institution tant que l'ONU, donc son force multinationale.
C'est-à-dire que faudrait-il bien que nous gagnions information ça. C'est plutôt une approche multinationale dans la mesure où le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déjà écrit Conseil de sécurité qui a bien pour le réunir le 21 octobre. Il a déjà fait des propositions à Conseil de sécurité des Nations Unies. D'après moi, c'est plus un bagage multinational. En ce moment, en tant que premier ministre, je dois m'adresser au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. C'est à lui que je dois m'adresser, n'est-ce pas? Et pour me dire que, malheureusement, et comme je vous disais tout à l'heure, nous-mêmes, nous condamnons et rejetons catégoriquement toute intervention militaire qui a un objectif pour lui consolider le système ça qu'il a, parce que généralement, ce système ça n'est pas consolidé, et consolider le pouvoir de un homme qui est décrié. Donc, c'est ça notre position. C'est-à-dire que, Et gagner une approche binaire, comme si une approche qui t'a fait quoi que bon, écoutez, faut qu'on fasse avec tel groupe ou bien faut pas ta face à tel groupe. Et les hommes d'État n'agissent pas ou bien ne réagissent pas ainsi. C'est-à-dire que faut qu'on fait une analyse ou offrir la population analyse. Je pense que c'est pas tout le monde, c'est pas tout citoyen qui te comprenne dimension et demande là. Est-ce que c'est une demande qui est authentique? La demande n'est pas authentique. À ce moment, c'est premier, et on est capable de dire, et calotte à souveraineté, nous. Quand on demande, parce que c'est nous qui sollicitons, dans le sens que c'est nous qui sollicitons une intervention militaire. Mais malheureusement, ce n'est pas nous qui avons sollicité une intervention militaire. Parce que si c'est nous qui avons sollicité une intervention militaire, c'est-à-dire que il est toujours inscrit dans une dynamique de souveraineté. C'est pas nous qui avons sollicité. C'est Luis Abinader lui-même qui a initié les démarches et qui a sollicité, qui fait tout ça capable pour convaincre la communauté internationale là pour une intervention militaire. Et à ce moment, ce que les citoyens doivent se demander, pourquoi Luis Abinader a piqué devant pour demander une intervention militaire en Haïti? C'est ça que mon Dieu demande. Et c'est ça que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Et c'est ce que je veux, moi souhaiter alors que mon yo comprenne. Ça, il est toujours inscrit dans des marches bataille moyen contre les ultranationalistes et dominicains, contre cet anti-haïtianisme primaire en République dominicaine. Parce que, des mouns qui disent, et pas me résumer mes batailles encore, c'est parce que je suis cohérent et c'est parce que je comprends mieux que certains d'autres la situation. C'est-à-dire que je sais que c'est la République dominicaine qui a initié cette demande et notre premier ministre, qui n'est pas un interlocuteur valable, seulement obéit, soumettre au dictat de la République dominicaine, sous prétexte que la République dominicaine a aidé le combat et été sous pouvoir, parce que moun ki pi n'est pas capable d'y opposer avec le gouvernement et la République dominicaine. Depuis la République dominicaine qui a montré pour le premier ministre l'a aidé le combat de Claude Joseph, depuis qu'il a montré que l'a fait Claude Joseph paraître pour une bête noire, c'est, ça suffit. Ça suffit. Très bien. Parce que parmi les politiciens et les groupes qui réagissent sur la question, combien de gens qui dit qui prêtait du doigt Luis Abinader? Presque personne. Parce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas compris, non, parce qu'ils n'ont pas eu le courage de le dire. Moi, j'ai courage pour me dire. C'est Luis Abinader, c'est les Dominicains qui ont en maître reprise, à bâton rompu, mandé la communauté internationale pour qu'on intervention militaire en Haïti. Sauf que chaque monde a fixé objectif par eux. Vous comprenez? Par exemple, hier, m'a regardé un groupe haïtien qui a manifesté devant Maison Blanche pour demander Américains suspendent, fait ingérence dans la politique, dans le pays d'Haïti, etc. Eh bien, dans le même moment, il y a des Américains laisser Haïti décider de futur li. Et puis, dans la main gauche, là, on prend 4 cap mandés, et puis dans la main droite, là, on prend 4 cap dit, supportez Montana pour nous souplir. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire, pays difficile, ministre Claude Joseph. Bon, je suis d'accord. Et moi je suis analyse ça. C'est une analyse qui est pour moi-même encore une autre fois objective, ouais, et très objective, parce que
Moi, pensais que faut que nous baissions nos capacités effectivement pour nous résoudre le problème nous-mêmes. Et international là pour respecter nous en pile, parce que moi, on voit comment international là, il a fonctionné avec leader qui est honnête, qui respecte les têtes, qui a même conseillé pour pays. Josia, par exemple, par rapport à la République dominicaine, c'est, il a pas qu'aux gens me joignent. D'ailleurs, il a disposé des études assez intéressantes sur Haïti, Josia, bien sûr, et il a pas qu'aux gens me joignent. Il y a qui a campé devant une autorité dominicaine pour dire la vérité. Donc, c'est pour la première fois presque, non, et on est capable de 50 à 60 dernières années, ça, ou bon ministre des Affaires étrangères, qui campait devant un président dominicain pour dire, écoutez, approche ou c'est des approches racistes par rapport à Haïti, sur les bonnes coopérations avec Haïti, même je n'oublie avec, faut qu'on suspende ça dans le discours officiel. Il n'y a pas joué, il facile. Et c'est ça que fait, je dis, à moi, on va remarquer qu'en Haïti, beaucoup de congés et attaquer quotidiennement par rapport à ma position et la République dominicaine. Mais c'est la différence que j'ai avec un pile politicien et un pile là, c'est que moi-même, moi connais que au monde qui souvient un pays ou son politicien, mais ou pas capable d'investir en République dominicaine. C'est une vraie situation. M'a dit, on haïtien, moi et non, on haïtien, c'est normal. On monde qui a investi n'importe côté. Mais on politique. Ah, mais donc, tout, on est qui a fait politique en Haïti, sous ses nationalistes, sous les mêmes pays, tout avant va qu'à aux États-Unis d'Amérique. Tout femme va qu'à aux États-Unis d'Amérique. Justement. Et là, on va faire une différence et avec vous de nationalisme et de patriotisme. Bon, j'ai vu sur les réseaux sociaux des valets qui me traite, par exemple, de nationaliste par occasion. Alors, ce que je me dis que je suis nationaliste, je ne suis pas un nationaliste, je suis un patriote. Il y a une différence énorme entre un nationaliste et un patriote. Un patriote est celui qui aime son pays et qui le défend. Alors, ce que nationaliste est celui qui, probablement, et bien sûr, aime son pays, mais qui raït l'autre pays. Je ne raït pas l'autre pays, je ne raït pas l'autre nation. M'paraï étranger. Je suis un patriote. Moi, j'aime mon pays. Moi, crois que faut nous construire un Haïti à la dimension de son histoire. Donc, si je suis un nationaliste, je suis un nationaliste ouvert, mais pas fermé de type de Abinadel ou bien des ultranationalistes dominicains. Donc, je suis d'abord un patriote, pas un nationaliste au sens fermé du terme. Sauf que bon, être patriote, être nationaliste, pas v'lait dit, faut que nous fermer genoux, excusez-moi, son série de réalité et qui a passé dans le pays nous pour admettre que quête c'est fini pour nous ou bien situation difficile, si nous cajouons en support étranger pour que nous sautions là que nous faisons parce que en bas genoux là il y a des millions haïtiens qui a souffri, qui pas qu'à l'école, qui pas qu'à sauter, qui pas qu'à manger, etc. Donc franchement la défaite lila monsieur. Donc bon, en tout cas, Wendy, moi-même, pour finir, Claude, pour finir, je ne vais pas quitter aller là sans qu'on ne fasse des propositions quand même. Ouais, parce que Gremoun Cap Gade nous là qui dit ben, Claude Joseph, où compte en aide étrangère, mais situation compliquée. Les compliqués là à terre, qui sont proposés justement. Comment Wendy Kassot là sans aide étrangère? Bon, écoutez, moi-même, la première chose que moi fais, c'est que moi contextualiser ça au tarélé, on compte aide étrangère ou bien on intervention militaire. Moi contextualiser, moi compte lui pour plusieurs raisons et me citer quelques là-dedans. D'abord parce que c'est pas l'Haïti qui a authentiquement sollicité une intervention militaire, c'est la République dominicaine. Et quel que soit le monde qui t'a proposé, je ne pas comprendre ça. Bon, comme je dis, il n'y a de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, c'est-à-dire que c'est le monde qui t'a voulu proposer, je ne pas comprendre. Mais tout le monde connaît, ça fait environ une année depuis que je ne suis pas dans le gouvernement encore,
que Luis Abinadel et son ministre des Affaires étrangères a sollicité une intervention militaire en Haïti. Donc, faut nous connaître pour qui ça. Pour qui ça que c'est une puissance étrangère, une puissance, en fait, un pays voisin, je voulais dire, qui a demandé pour une intervention militaire et qui est arrivé et effectivement convaincre l'international sur la nécessité urgente, n'est-ce pas, d'envoyer des troupes en Haïti. Donc, c'est la première chose. Donc, on contextualise. La deuxième, c'est que nous vivons un moment où le premier ministre Ariel Henry est décrié, le peuple haïtien, un échantillon assez représentatif du peuple haïtien, et demander à Ariel Henry de démissionner. D'accord? Donc, c'est à ce moment que vous parlez en force étrangère qui est venu là. Encore, moins contextualisé. Maintenant, qui ça, moins proposé, et pour finir, moins quoi, et que je dis à, et la solution la plus proche de la Constitution, c'est avoir un ministre du Conseil des ministres qui vient prendre cette primature là et travaille pour organiser l'élection, rétablir la sécurité, faire comme un interlocuteur, parce que ça veut dire que moi-même, je n'ai pas de problème avec le gouvernement, puisque malgré que je ne connais pas, je combattu, si tu veux, dans une certaine mesure, mais je me demandais pour Youn Nader venir là. Maintenant, et ériger en vrai interlocuteur, travaille avec nos amis, nos vrais amis de la communauté internationale, sous une urgence, travaille avec pour vraiment renforcer la police nationale d'Haïti et entraîner une unité de la police nationale d'Haïti, une unité d'anti-gang de la police nationale d'Haïti pour combattre les gangs et vraiment un travail spécial et de type avec des équipements, etc., etc. Donc, moi-même, je pense pour l'heure, pour le moment, c'est ça que je peux proposer, mais je connais que... Donc, vous reprenez le discours qui m'a dit pour renforcer la police nationale d'Haïti pour gommer contre Gagno. Et combien de temps vous pensez, Ngaveza? Moi, je demande plus que ça. Et où tu es capable de gagner... ça veut dire que ou t'as capable bien de aide qui localiser dans des espaces pour entraîner alors moi pas souhaiter que les dans l'autre pays qui localiser dans des espaces qui entraîner policiers nous yo et avec un entraînement spécialisé créer une vraie force d'anti-gang pour au capable agir avec vraiment des équipements nécessaires, localiser les bandits, etc., et combattre les bandits. Donc, combien de temps vous pensez qu'on a besoin pour faire ça? Ça capable fait dans 3 mois. Sous-gain, parce que ça, moi, quand je passe Ukraine là, moi, ouais, depuis qu'il y a une volonté, il y a un pile bagaille qui a fait. Ça veut dire que ça a fait dans 3 mois. Mais moi quitter ça seulement comme proposition parce que parti que Mladel là la travaille sur une solution de sortie de crise et probablement joindre de l'autre acteur ensemble avec yo pour la signature de cette solution de sortie de crise. C'est pas un bagage retiré tête tout pour mettre pam, mais c'est pas une démarche qui souvle Wendy des extrémistes j'en étais habitué avec yo sous président Jovenel Moïse. Et vraiment, c'est vraiment ouvert pour nous capables de jouer une solution, on est capable de dire entre les Haïtiens, mais accompagné de nos amis de la communauté internationale. Les gens de nos amis de la République dominicaine, pourvu que eux-mêmes, ils généreux, pourvu que ont des marches, on est capable de dire généreux, c'est pour un bagage comme si, pour faire passer pour agenda par eux. Donc, moi-même, parce que c'est ça, et en nous font titan, les propositions du parti aider, que moi fais partie là-dedans, qui est capable de permettre que nous voyons comment nous sommes capables de sortir de ça. Trois dernières questions pour nous finir, ancien ministre Claude Joseph. Où saute parler là de nos vrais amis, dans l'international? On est intelligent, on a fait exercice ça pour nous. Est-ce qu'on a cité pour nous? Non, mais moi. 4 nan bons amis nous là aux États-Unis ou bien 4 nan plus gros bons amis nous dans international là qu'on pensait qu'a aider nous dans ça. Bon écoutez
faut nous comprendre la réalité de l'international. Par exemple, si on prend le Canada, les États-Unis, c'est des démocraties, côté acteurs qui ont changé en pile et institutions qui ont abrité, mais chaque acteur qui vient, ils ont compréhension. On est capable de dire sous Haïti. Ouais. Donc, est-ce que les États-Unis avec le Canada, ce sont de vrais amis? Alors, moi, je ne suis pas capable de parler de tout simplement un pays, mais je sais que nous avons des Dominicains qui sont des vrais amis d'Haïti. Attendez bien. On va répondre à une question. Non, c'est parce que je ne veux pas me parler, si tu es question, hein, non dynamique de pays. Ouais. Et moi qu'on est gagné de vrais Américains qui ont mis dans des administrations Biden non ou bien administration Trump là. Canada c'est pareil, pour la République dominicaine c'est pareil. On parle ouais, d'État, l'État américain, l'État canadien, est-ce que d'après vous-même c'est de vrais amis pour l'État haïtien? Parce que dans les démocraties, vous connaissez mieux que moi, on n'a pas besoin de faire exercice intellectuel ça. Dans les démocraties, l'État n'a pas une entité uniforme. C'est dans la dictature que l'État uniforme. C'est-à-dire que ça n'est que la vléa, c'est lui-même. Alors que dans la démocratie, on gagne plusieurs branches de pouvoir. C'est ça que fait, on pourrait gagner des Haïtiens qui agitent devant le Congrès, qui parlent devant l'exécutif là. Parce que gagner balance pouvoir. Les exécutifs là aux États-Unis, les font bagaille, Congrès a dit, me penser soit faire pas bon. C'est pas une sauf que Claude, sauf que dans l'État démocratique, quoi parler là, yo. Même si transition est faite au niveau de la gouvernance du pays, mais il y a des relations, ouais. Tel État gagne avec tel État, quel que soit moun qui sous pouvoir, quel que soit le gauche, quel que soit de droite, pays a toujours pratiquement une position uniforme vis-à-vis de pays. Un vrai exemple, les États-Unis avec l'Israël, par exemple. Hein? Quel que soit moun qui prend pouvoir, position les États-Unis vis-à-vis de l'Israël ne change pas forcément. Nous prenons le même exemple pour Corée du Sud, par exemple. Oui, non. Là, je suis d'accord avec toi-même. Je suis d'accord. Parce que ça, dit à son sens. C'est peut-être ça. Si nous voulons faire débat bien, c'est pour nous dire qui est ce monde pour nous voter, pour nous choisir, pour diriger nous, de monde qui a des caractères qui inspirent confiance et respect de nos amis de la communauté internationale. Quelle que soit la vicissitude qui gagne dans la relation ou bien dans l'administration pays, quelconque, mais si vous avez des hommes de caractère, des hommes de tempérament, n'est-ce pas, eh bien, ils ont inspiré confiance et respect, quel que soit le monde à respecter. Qui donc, pour moi-même, et focus là, doit ce qui monde nous doit choisir pour capable fait que vous gardez nous, respectez nous comme nation. Ça, c'est intéressant. Ou t'es premier ministre, ou t'es dans le gouvernement en 2019, en décembre 2019, ministre Claude Joseph? Moi, t'es dans le gouvernement. Alors, moi, t'es premier ministre en avril. 14 avril 2020, c'est ça, 14 avril 2020. Okay. Donc, par exemple, les États-Unis, le Canada, l'État, ça, au pays, ça aussi, nous t'a considéré comme de vrais amis. En tout cas, c'est des amis qui ont passé nous dans Tintin, qui ont passé nous dans bêtises. Par exemple, nous songez, Jovenel Moïse, t'as pris un gros coup, ou t'es dans le gouvernement, en décembre 2019, soit décembre 2019 ou bien décembre 2020, en tout cas, et Brian Nichols, il vient dans le pays d'Haïti, là, il dit, nous parlons de pays d'Haïti. L'Elvini, qui ça te promet? Il te promet la police nationale d'Haïti ont vingtaine de machines. Et jusqu'à maintenant, je ne crois pas que les machines ça ont jamais arrivé. Ça, c'est sur Ariel Henry. Sur Ariel Henry? Oui, c'est ça. C'est sur Ariel Henry. Bon, ok. Très bien. J'étais pas mis. C'est récemment. Très bien. En tout cas, merci au pile, Claude Joseph. C'est moi pour remercier. Chaque fois, nous avons eu l'occasion pour nous faire un petit parler. Moi, pas négliger pour nous faire parler, mais vraiment merci Wendy pour Jean, professionnalisme que vous conduit, n'est-ce pas, interview matin. Merci un pile à toute internaute qui est branchée. Sauf que même sous M dur, mais c'est pas problème, non, mon bon, papa. Mais c'est consacré. Moi, je connais. Sinon, je ne vais pas dans l'interview. Très bien, merci un pile. D'accord, merci, bye bye.
Très bien, c'était Claude Joseph, ancien Premier ministre pays d'Haïti, ancien ministre des Affaires étrangères, qui t'a parlé avec nous là. Nous t'a parlé de pays, hein, nous t'a parlé de pays, nous t'a parlé de Haïti, nous t'a parlé de décision ça que Ariel Henry prend pour que l'I capable mander international là yon aide et Noël. Gagné secrétaire général des Nations Unies qui est en répondre et li getan même écrit Conseil sécurité pour que Conseil sécurité a capable bah une réponse urgente selon ça le dit ak demande ça que Haïti a fait. Qu'est-ce qui va le passer dans les jours à venir? Est-ce que Ariel Henry li pral finalement et quitter un pays, démissionner pour bailler.